Nous voici à quelques minutes de l'année 2017. Here we are a few minutes before 2017. Les esprits marqués certainement par les révélations de la troisième conférence internationale sur la croissance de l'Église. Spirits certainly touched by the revelations of the third international conference on growth of our church. L'Église de Côte d'Ivoire, évoluant dans sa vocation, nous sommes appelés à développer les vertus et les aptitudes d'une base auxiliaire de notre ministère. The church in Côte d'Ivoire, evolving in its call, we are also called to develop the virtues of and its aptitude as an auxiliary base of our work. Nous le savions déjà. We knew it already. Puisque le Seigneur nous l'a fait connaître. Because the Lord had made it known to us. Parmi les vertus que nous sommes appelés à développer, among the virtues that we are called to develop, figure la capacité de vivre de manière à investir pour le ciel. We have the capacity of investing, of living in a way to invest for heaven. Investir pour le ciel. Investing for heaven. Parler d'investissement pour le royaume. Talking about investment for the kingdom. C'est parler d'épargne en vue d'investir pour le salut des âmes perdues. It's talking about savings in order to save the lost. Autrement dit, otherwise, un homme ne peut investir que ce qu'il a pu ou ce qu'il a su épargner. It is only what a man has been able to spare that he can invest. Comme le professeur Fomoun nous le disait, as Professor Fomoun used to tell us, le rang éternel de chacun dépendra de la rigueur avec laquelle les biens, l'argent, le temps, les opportunités ont été utilisés. Professor Fomoun said that the eternal rank of each and everyone will depend on the rigor with which he would have managed the time opportunity, the goods, the money that the Lord has entrusted to him. Dans Jean chapitre 6, verset 12 et 13, in John chapter 6, verse 12 and 13, il est écrit, it is written, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, when they were satisfied, he told his disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Take back the remaining so that nothing is waste. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. They picked them back and filled 12 baskets of the pieces of bread that remained. Dans les finances, in the finances, l'épargne est une fraction d'un revenu qui n'est pas affecté à la consommation immédiate. Saving is a fraction of the income which is not affected to the immediate consumption. Dans le langage courant, ce qu'on épargne est généralement ce qu'on ne peut pas détruire ou ce qu'on n'a pas détruit. In the current saying, a saving is what has not been destroyed or what we cannot destroy. Le Seigneur nous invite en cette année 2017 à bien épargner pour mieux investir. The Lord is inviting us in this year 2017 to spare well in order to invest very well. Cette épargne et cet investissement concernent nos biens, notre argent, notre temps, notre énergie. This sparing and this investment concerns our goods, our time, our energy. Le Seigneur demande que nos reins soient sains et que nos lampes soient allumées. Our Lord is asking us to take a belt and also to have our lamps brighten. Luke 12, verse 35. Chaque disciple doit marcher à l'exemple de Christ, qui est notre modèle et qui nous enseigne à racheter le temps et à investir pour le royaume que notre Père céleste nous a donné. Each disciple must walk in the example of Christ, our model, who teaches us to
redeem time and to invest into the kingdom that the Lord has given us. Tous ceux qui gaspillent leur temps, all those who waste their time, leur argent, their money, leur énergie, their energy, sont frères de ceux qui détruisent, are brothers of those who destroy. Ils ne peuvent pas conquérir le monde. Those people cannot conquer the world. La conquête du monde est une vraie guerre. The conquest of the world is a true battle. Une guerre spirituelle. A spiritual warfare. L'apôtre Paul enseigne que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Apostle Paul teaches us that our battle is not against flesh and et le sang. And the blood, thank you. Nous combattons contre les puissances des ténèbres. We are fighting against the powers of darkness. Qui veulent couvrir la terre d'obscurité. That want to cover all the earth with darkness. Mais elles sont déjà vaincues. But they are already overcome. Elles ont perdu la bataille. They have lost the battle. Parce que le Père éternel a déclaré. Because the eternal Father has declared. Mais les ténèbres ne dureront pas toujours sur la terre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. But the darknesses will not reign forever on earth. Où il y a maintenant les angoisses. Where there are now anguishes. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. If the past time covered of shame the land of Zabulon and that of Naphtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. The time au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. The time to come will cover with glory the neighboring town which is beyond the Jordan, that of the Gentiles. Isaïe chapitre 8 verset 23. Isaiah 8 verse 23. Celui qui n'investit pas ses biens au ciel est frère de celui qui les gaspille. Whosoever does not invest his goods in heaven is brother of the one who wastes it. Le ciel est le seul endroit où il faut garder son argent. Heaven is the only place where one's money should be kept. Au ciel, heaven, il n'y a pas de crise économique. In heaven there is no economic crisis. Ni rouille. There is no rust. Ni voleur qui dérobe. And there is no thief who steals there. L'évangile avance et avancera grâce à la consécration des saints. The gospel is going forward and will keep on going forward thanks to the consecration of the saints. Car on ne se convertit pas pour devenir indépendant. For we don't get converted to become independent. La conversion n'est pas une émancipation vis-à-vis de Dieu et des exigences de son œuvre. Conversion is not an emancipation toward God and its and his requirements. On ne se convertit pas non plus pour devenir riche sur la terre pour soi-même. And we don't get converted to become rich on earth for oneself. Pour la gloire du monde. For the glory of the world. Pour le rayonnement personnel. Or for the personal bright. En vue de la gloire du monde. For the glory of this world. On se convertit pour devenir esclave de Dieu. We get converted to become slave of God. On se convertit pour être riche pour Dieu et pour l'évangile de Dieu. We get converted to become rich for God and for the gospel of God. Les dons pour le progrès de l'évangile. The gifts for the progress of the gospel. Et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sont une preuve de notre foi en l'œuvre de Dieu. And for the advancement of the work of God are a proof of our faith and into the work of God. Ils ne sont possibles que si nous nous appliquons. They are possible only if we apply ourselves à bien gérer notre argent et nos biens. To manage very well our money and our goods. Les dons aux ministres. The gifts to the ministers. Les dons aux ministres sont un débordement du cœur. The gifts to the ministers are an overflowing of the heart. C'est la manifestation de la richesse du cœur. It is the manifestation of the richness of the heart. Le don est un ministère spirituel. The gift is a spiritual ministry. C'est pour cette raison. That's why qu'il doit être pris ou reçu même de la main du pauvre. It must be given it must be given or taken even from the hands of the poor. Pour le succès de notre œuvre qui est un solide assemblage organique et non une simple structure organisationnelle, il faut absolument que nous puissions investir
sur les ministres et dans le ministère. For the success of our work, which is a solid gathering and not a mere organizational structure, we need to invest absolutely on the minister and the ministries. Il faut que les dirigeants enseignent aux brebis à faire autant. And it takes that the leader teaches the brethren to do the same. L'avenir de l'œuvre et l'avenir de l'évangile dépendent de la séparation d'avec le commun. The future of the work and that of the gospel depend on the separation from the common. De la consécration à un partenariat vivant avec le dirigeant et aussi de la consécration de nos biens à l'entreprise de l'évangile. Of the consecration to a living partnership toward the leader and also to the consecration of our goods to the enterprise of the gospel. C'est à travers ces actes que se manifeste notre amour pour le Seigneur et pour son royaume. It is through these actions that our love for the Lord and for his kingdom is manifested. Le royaume que notre Père nous a donné. The kingdom that has been entrusted to us by our Father. Nous ne pouvons pas gagner les âmes et les arracher du monde si nous n'avons pas d'amour pour notre propre royaume. We cannot win souls and uproot them from the world if we don't have a love for our own kingdom. La conquête du monde pour Christ nous impose donc un budget de guerre. The conquest of the world for Christ imposes on us a budget for war. Aucun gaspillage n'est permis. No waste is allowed. Tout devrait être analysé en rapport avec les âmes périssantes. Everything ought to be analyzed with a link to the perishing souls. Il faut planifier comment éviter le gaspillage. We needed to plan how to avoid wastes. Comment épargner les biens. How to spare our goods. Le temps. Time. Et l'argent. And money. Afin de pouvoir investir pour le salut des âmes. In order to be able to invest for the salvation of the souls. À travers les dons pour les fonds missionnaires. Through the gift for the missionary funds. Pour la distribution de la littérature chrétienne. For the distribution of the Christian literature. Et pour la réalisation de nos grands projets tels que la construction du temple. And for the realization of our great projects like the construction of the temple. L'organisation des conférences internationales. The organization of international conferences. Les voyages missionnaires. Missionary trips. Le développement de la clinique Compassion. The development of the clinic Compassion. Et bientôt la construction de l'Académie des pasteurs en Côte d'Ivoire. And in the days to come, the construction of the Academy of Pastors in Côte d'Ivoire. Méditons sur les textes suivants. Let us meditate on the following Bible quotation. Luc chapitre 12, verset 31 au verset 34. Luc chapitre 12, verset 31 to 34. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. He says, first of all, seek the kingdom of God and everything will be given to you above. Ne crains point petit troupeau. Do not be afraid, little flock. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. For your Father has been pleased to give you the kingdom. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Sell your possessions and give to the poor. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. For where your treasure is, there your heart will be also. Méditons aussi sur Ephésiens chapitre 5 verset 16. Let us also meditate on Ephesians chapter 5 verse 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Redeem the times for the days are bad. Colossiens chapitre 4 verset 5. Colossiens 4, verse 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Lead yourselves with wisdom toward those who are outside and redeem time. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun. May the grace of the Lord be with you.
with each and every one. En cette année 2017. In this year 2017. Pour laquelle je formule pour chacun de vous. For which I am formulating for each of you. Mes vœux de paix. My wishes of peace. De santé. Of health. De prospérité. Of prosperity. Et de réussite dans les entreprises. And of success in the enterprises. Que la santé, la protection, la prospérité et la grâce divine demeurent avec chacun. Let peace, protection, prosperity and the divine grace abide with you. Au nom de notre Seigneur Jésus. In the name of our Lord Jesus Christ. Que le Seigneur Jésus nous donne de payer le prix. May the Lord Jesus Christ grant us to pay the price. Au niveau individuel et collectif. At the individual and collective level. Afin qu'au 31 décembre 2017. So that by 31st December 2017. L'objectif 100 000 disciples soit atteint. The objective 100,000 disciples could be achieved. Que vos ennemis. Let your enemies. Reculent. Qu'ils tombent. If they fall down. Qu'ils ne se relèvent plus. Let them not stand up again. De leur défaite. From their defeat. Jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Till the return of our Lord Jesus Christ. À qui appartient la gloire? To whom belong glory? La louange. Praise. La puissance. Power. Et l'honneur. And honor. Au siècle des siècles. To the centuries of centuries. Amen. Amen.